Jeudi 18 avril 2024. Bon, là, cet ingénieur, là, c'est ça, ouais, c'est ça. Il nous explique, donc la France veut se réarmer, bon patati. Et lui, je vous fais un court résumé de ce que lui, il en pense de la France qui se réarme. Notre industrie d'avoir des débouchés suffisants, évidemment, ça se passerait déjà beaucoup mieux. Mais comme l'a dit Olivier tout à l'heure, il nous manque toute une structure d'industrie intermédiaire qui fabrique donc des biens intermédiaires. On peut par exemple décortiquer un certain nombre de matériels français. Prenons des matériels comme les nouveaux blindés Scorpion, et bien ils ont des moteurs et des boîtes de vitesse américaines. Bon, nous n'avons pas par exemple de fabricants de boîtes de vitesse automatique pour engins blindés. Alors que ça, on le trouve par exemple en Allemagne. L'Allemagne qui a gardé son Mittelstand, c'est-à-dire cette catégorie d'entreprises intermédiaires qui fait sa force, eux disposent peut-être sans doute plus que nous et dans certains domaines d'un tissu industriel qui permet d'alimenter correctement son industrie de défense de manière plus autonome. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les domaines, hein. Il faut faire le tri entre l'aérien, le naval, le terrestre, tout ça, c'est très compliqué. Il faudrait une grille de lecture un peu plus fine que ce que je vous donne. Mais effectivement, aujourd'hui, quand vous interrogez nos maîtres d'œuvre, c'est-à-dire ceux qui font l'assemblage final de nos grands systèmes, en fait, vous vous apercevez assez rapidement que ce qui coince, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Parce que la chaîne d'approvisionnement, c'est toutes ces petites pièces, c'est ces matières premières, ce sont ces matériaux semi-finis, ce sont les microprocesseurs, etc., etc. Et bien en fait, tout ça, dans le tissu industriel français, c'est pas forcément facile à trouver. Et donc, si nous avions une richesse dans ce domaine, d'abord, ça contribuerait à faire remonter le taux d'industrialisation de la France, ça c'est tout à fait vrai. Et ce qui est valable pour l'industrie de défense, elle est aussi valable pour toutes les autres industries, l'industrie automobile, l'industrie des machines-outils. Nous n'avons quasiment plus de fabricants de machines-outils. Quand vous voulez monter une usine, c'est quand même plus pratique de mettre des machines-outils dedans. Ben, il n'y a quasiment plus de fabricants de machines-outils en France. On est obligé d'aller se fournir en Corée, au Japon ou en Allemagne. Absolument. Voilà la France de Macron. Salut!